vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Parce que si j'ai dit je cite le nom de quelqu'un ici sous la toile, vous allez prendre ça, vous les guetteurs, hein, vous allez servir ça, vous allez mettre vos épices, du sel, ajouter ce que vous pouvez ajouter, allez servir ça à l'autre côté de la rive. Alors, je cite les noms de personnes, mais je vous réfère une vidéo pour aller regarder avant de passer dans cette vidéo d'aujourd'hui. Allez regarder notre vidéo intitulée C'est toi qui mélange tout ici sous la toile. Allez regarder la vidéo là, là où tout a été mélangé à partir de cette histoire de Chacha qui est en prison, prison est français, qui est en prison pour l'escroquerie. Donc ce sont des escrocs. Hein? Il y a Aya Robert était là, et puis Baba Ni était là, il y avait Infalsifiable, Influenceur, D0. Voilà. Il y avait aussi, il y avait plein de TikTokers et blogueurs mélangés dans cette histoire. La femme là, la femme là, la femme là. Et regardez, je vais vous donner même les cibles. Je ne vous donne pas les cibles. Je vous recommande d'abord d'aller regarder la vidéo là et puis revenir ici pour mieux comprendre. Voilà. Alors, on ne peut pas passer à la vidéo comme toujours. On ne peut pas aller justement à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous à nous suivre à ce moment. Alors, nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations, comme on dit toujours, une très spéciale salutation là, qu'à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos chéris coco aussi, sans oublier les guetteurs et à vous, le nouveau, dont vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Alors, suivons cette vidéo ici. Si vous avez déjà suivi la vidéo là, voici la vidéo. Mais si pas encore, je vous invite d'aller d'abord suivre la vidéo intitulée C'est toi qui mélange tout ici sous la toile. Comme ça, vous allez décoder ce qui est codé dans la vidéo qu'on va suivre à tout à l'heure. Alors, on se retrouve tous ensemble, comme toujours, dans les analyses d'Helios 13 à la fin de chaque vidéo, comme celle-ci. Vous allez détruire le monsieur. Vous allez gâcher le monsieur avec votre haine. Hein? Vous pensez que vous allez me mettre mon babani? Moi, mon babani, on se parle en privé. Hein? Moi, babani, là, on n'a pas de problème. Babani, c'est mon frère sang. Voilà, c'est mon gars. Babani, là, on s'appelle en privé, on cause. La preuve en est, quand vous me mutez dans les lives là-bas, là, c'est lui qui vient me démuter. Voilà. Vous avez compris? Quand vous me mutez dans les lives, il vient, il me démute. Voilà, parce qu'il n'est pas comme vous. Est-ce que vous me voyez dans vos lives? Il n'y avait pas dans vos lives? Il y avait dans le live de Babani qu'il n'a pas le droit de venir ici, que chacun a son territoire. Quand tu passes ici, là, tu es en guerre. Tu passes ici, là, on est au Noso. On est en Afghanistan ici. Que chacun a son territoire. Et puis, elle parle d'autorité. Chacun a son territoire, chacun a sa zone. Il ne faut pas qu'il dépasse. C'est toi qui as payé TikTok. TikTok, c'est toi qui as mis ça dans notre téléphone. C'est toi qui as mis TikTok dans le téléphone de Babani. Pour lui dire ce qu'il doit faire ou bien il ne doit pas faire. Des manipulateuses comme ça. Vous êtes là, vous manipulez les gens. Vous manipulez les gens. Hein? Que Babani, il te dit, hein, si, ici là, il sait que c'est son. Si, il n'a pas le droit, il n'a pas qu'air. Il ne doit même pas venir ici, chacun a sa zone, chacun a son territoire. C'est ton territoire. Va lancer ton live. Va lancer ton live. Ton live qui sent crachat là, va lancer ton live. Qui te voit même? Qui te connaît même? Hein? Qu'on l'attribue. Si vous le voyez là, allumez-le. C'est vous qui jouez lui. Mais la tribu me voit même, non, pas qu'elle. Parce que moi, tu as affaire à moi. Je viens, je prends ta photo et mets ici. Je fête ton anniversaire. Dans la paix du Seigneur, est-ce qu'ils ne me connaissent pas? Ils me connaissent. Ça veut dire que tu m'insultes en commentaire. Je viens et te prends. Je viens ici et mets ta photo. Tu es célèbre. Tu es célèbre. Tu es célèbre. La tribu, ils savent comment moi, ils fonctionnent. Eux, c'est les enfants. Hein? Ton live qui sent crachat, ton live qui sent bavure, hein?
faut aller là-bas. Qu'on l'attribue, si vous le voyez, allumez-le. Ne le laissez pas. Il n'a pas droit à venir ici. Il est qui? C'est pour toi? C'est pour toi, TikTok? C'est toi qui nous envoyais ici, TikTok? Hein? Elle parle et puis elle crache. Elle bouche les micros de téléphone, là, elle s'a bavue. C'est-à-dire que son crachat, sa mauvaise haleine, là, elle bouche les micros. Là. C'est-à-dire que moi-même, je dois porter plainte contre toi. C'est-à-dire que lui-même qui t'a vendu le téléphone, on doit porter plainte contre lui. Il ne devait pas te vendre téléphone. Il ne devait pas te vendre téléphone. Sérieux? Parce que depuis que tu as vendu le téléphone, là, imagine comment des fois tu as bouché le micro du téléphone. Ah non, 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 non. Co-blogueuse, co-influenceuse. Quand tu es influenceuse, tu es blogueuse. Tu sais ce que ça veut dire être vraie blogueuse? C'est ton modèle là. Ton modèle, on appelle ça blogueuse aussi. Modèle de blogueuse perdue qui est partout. C'est-à-dire que toi, tu es comme le vent. Où le vent t'envoie là, c'est là-bas que tu t'en vas. Hein? Toi là, il t'a dit non? Faut arrêter. Arrête de me menacer. La prochaine fois, tu fais, je mets ta photo, je montre. Toi, influenceur, je te dis ça aujourd'hui. Je te dis ça aujourd'hui. Moi, ta photo, je fais capture de ça sur WhatsApp. Tu t'amuses avec moi, je mets ta photo ici au village, on fête ton anniversaire. Voilà, tu dois quitter dans l'ombre. Tu dois venir ici montrer aux gens que tu peux t'assumer. Tu es une très belle femme, assume-toi. Je te dis en même temps, le jour où tu me menaces, tu ne vas pas croire. Je viens, je mets ta photo ici, je dévoile ta photo. Voilà. Il dévoile ta photo ici. T'as compris, non? Voilà, moi, c'est pas une hypocrisie. Tu es là-bas, on nous insulte. À cause de toi, on prend les balles perdues. On dit, votre influenceuse là, même, on la voit pas. Hein? Votre influenceuse là. Influenceur, on la voit pas. Entends-nous, on t'a déjà vu. On sait que tu es une très belle femme. Hein? Tu es une très belle femme. Avec toutes les rondeurs qui vont avec. Hein? Une mousseau en pime qui a tout au complet. Tu te caches derrière le téléphone. À cause de toi, on nous insulte. On nous insulte matin, midi, soir. Hein? Si tu ne t'assumes pas, tu as un délai. Je te donne encore un délai pour que tu changes de comportement. Influenceur, je parle de toi. Avec maison qui est derrière toi. Tu prends pour te promener dans tous les lives. Là. Je te dis en même temps. Je te donne encore un délai. Tu dois assumer. Tu as un délai. Hein? Il y a déjà 10 à la grande. C'est ton papa ici au village. Voilà. Je serai le premier à te dévoiler ici au village. Voilà. Parce que je ne peux pas concevoir que tu peux être une très belle femme comme ça. Hein? Tu vas t'arrêter dans live. Hein? Les gens vont venir se comparer à toi pour dire que toi, tu es une vilaine femme. Femme, il a vu là, c'est une vilaine femme. De la manière dont il a vu ta photo là. Est-ce que c'est vilaine? Non, mais je suis choqué. Je suis choqué. Voici le genre de femmes nous on souhaite avoir dans nos vies. C'est la qualité des femmes là. Mais pas les femmes à longueur de journée qui sont là en train de se moucher. Elles se mouchent, elles font sortir mauve, elles font sortir odeur de bouche, crachat puant, odeur de gueule, odeur nauséabonde, on dit que odeur de caniveau. Va venir parler aussi sur les gens. Hein? Cuit qui est comme coup de poing. Pour ne pas parler de visage. Visage de traversie aussi, va parler un garçon. C'est-à-dire qu'une go qui est partie faire boucan, tu as pensé que c'est Spider-Man qui est sur la piste de danse. Elle a arrêté là-bas et puis elle est en position concentrée de faire faux boucan. Un boucan triste. Boucan misérable. C'est-à-dire que toi-même, tu donnes ton argent et puis on ne te gêne pas. Hein? C'est-à-dire que toi-même, tu viens donner ton argent pour faire plaisir à Yodé et Siro. Il regarde même à quel il connaît, il a mesuré la distance de la bouche puante. C'est-à-dire que la distance de la gueule qui sent. C'est-à-dire que quand il a vu tes dents, c'est-à-dire que la distance comme ça là, il a dit, Siro, go qui vient là, laisse tomber. Il a senti qu'il y a quelque chose qui doit. Le gars, il a reculé en même temps. Tu fais ton travaillement, le gars, il recule. Travaillement, il recule. Allez regarder la vidéo. Travaillement d'apparemment la mauvaise. Il fait distance, il ne veut même pas se mettre à côté. Tellement odeur de pitoire. Odeur de crachat. Hein? Tata est venu t'asseoir aussi pour parler à les gens. Que non, il croyait en vous, c'est un Bodakourou. Il ne peut pas clasher, Vandamouche. Le jour, il va clasher Vandamouche. Il va voir que c'est un homme. Parce que Vandamouche, avant, il est venu sur mon live pour parler de Aya Roubaix. Mais c'est le passé.
En ce moment-là, lui et moi-là même, on ne se connaissait même pas encore. Je le suivais sur Facebook, mais on ne se connaissait pas en tant qu'ami sur Facebook, TikTok. Moi, il ne savait même pas qu'il avait fait ça. Mais depuis on se connaît là, il sait qu'il y a le respect qui est là. C'est ma personne. Vous ne pouvez pas venir mettre par la bande lui et moi. C'est impossible. Voilà. Contrairement à toi, va faire BBL et puis tu reviens. Va faire BBL dedans et puis tu reviens. Tu as compris? Tu finis ton BBL dedans. Voilà. Tu refais ta bouche bien. Tu refais cuisser. Et puis tu viens en Impale. En Impale. Là au moins tu te compares au moins hein, aux villageoises. Parce que dans mon village ici, il n'y a pas de vilaines femmes. Elles sont toutes belles. Des vraies femmes. Et des femmes caviar surtout. Des femmes caviar qui travaillent à, leur sueur, à la sueur de leur front. Voilà. Qui sont pas sur les panels matin, midi et soir en train de verser crachat dans le téléphone. En train de se promener dans TikTok. En train de jeter la haine. C'est-à-dire que jeter le venin. Elles sont pas comme toi. Les femmes du village, elles se font respecter. C'est les femmes caviar. Les femmes avaient des vrais véhicules. Voilà. Les gens qui disent que... Je vois les gens qui disent que voiture, c'est quoi? Voiture, c'est une nécessité en Europe ici. Votre apparemment, la mauvaise, elle n'avait pas vélo. Elle est là toujours en train d'emprunter les transports. Vélo, elle n'a pas. Dites-moi si elle a vélo. Elle a une voiture, elle a un véhicule de transport. Vous êtes mieux qu'elle. Tu as payé tu as monté dans le train. Hein, ton odeur puyante pour aller derrière l'unique. Le gars là, il t'a vu, il dit ça là, moi, il ne peut pas mourir ça là. Il l'a vendu ton corps là-bas. Il dit, dégagez-moi sachet bleu. Hein, c'est sachet bleu là. On dit, en fait, vraie femme, c'est coup de poing qui vient. Hein, femme qui n'a pas de dents. Quand il a vu odeur de pitoire, il a jeté, vandalisé le corps là-bas. Jeté le corps là-bas. Vandalisé ton corps, il a payé ton billet. Il dit, faut rentrer là-bas. Ah, tu n'as pas de dents, tu vas venir faire quoi ici? Hein? Que vous là, vous vivez dans HLM, HLM, bientôt là. Bientôt, t'as vu les tantes, ils ont fait sortir là, non. Faut pas aller travailler. Faut pas travailler. Hein. Faut venir, faut pas aller travailler. Ta voix de crapaud, ta voix de grenouille, ta voix constipée, tellement tu fais pas la pipe. Parce que les filles qui ont la belle voix, moi, je vois les filles, ici sur les TikTok ici, les villageoises ici là, elles ont tellement de belles voix, c'est-à-dire que les voix sexy qui te donnent envie même de les rencontrer. Mais toi, ta voix de crapaud là, on sent que tu manques d'amour, tu manques de pipe. Il n'y a pas Bangala qui va venir faire placer devant toi. Tu as blessé le gars. Premier Bangala qui s'annonce pour dire que tu as lui fait la pipe. Mais tu as tué le monsieur. Tu as tué le gars. Pas tu n'as pas dedans. Tu n'as pas de dents. Tu as tué le gars. Parce que tes dents sont cassées dans ta bouche. C'est-à-dire que le restant des petites dents qui sont restées là. C'est pour mordre le gars. Hein? C'est pour mordre le gars. Tu as tué le gars. Ta forme en dirait Sautorel. C'est-à-dire que tellement tu es concentré, tu es confondu en toi-même là. Toi aussi, tu t'arrêtes pour parler des gens. Hey! TikTok. TikTok. Vous vous foutez de nous. C'est pas Yaya même. Viens regarder les jolies femmes. Elles sont ici dans les commentaires. Clique sur les photos. C'est des femmes très belles. Voilà. Elles s'assument. Voilà. Tu comprends? Voilà, elle s'assume. Au lieu de venir vociférer, là, prendre rendez-vous chez un dentiste. Tu vas aller refaire tes dents quand il vient là. Et puis on en parle. Vous vous êtes moqué de ma soeur Sentinelle, de mon bébé Sentinelle. Sentinelle allait placer les dents. Bien jolie, elle a refait sa dentition. C'est ça, on dit quelqu'un qui s'assume, qui est fier, elle allait travailler jusqu'à elle a refait ses dents. Bien jolie. Prenez exemple. Vous avez vilaine dentition, c'est vous qui venez sur les réseaux. Tiens, toi, nous, on parle. Et puis toi, tu n'as pas de dents, tu parles aussi. On n'a qu'à faire quel clash avec toi. Nous, on a dents. On a dents. Toi, tu n'as pas de dents. Nous, on parle. Et puis toi et nous, on n'a qu'à faire clash. On fait quel clash? Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne te répondent pas. Tu n'en vaux pas la peine. Tu es insignifiante. Et ta vilaine dentition. Nous, on te dit ici de venir faire...
Le jour tu fais, moi je te jure, je te demande pardon toute ma vie et arrête de te clasher. Viens ici, tu te mets devant tout le monde, tu te mets en live, montre-nous que ce qu'on dit là c'est faux. Si tu fais, moi je t'envoie lion, deux lions, mais trois lions si tu veux. Souris à la caméra, colle tes dents, envoie. Tu peux pas? Nous tous, si elle dit à quelqu'un, une fille ici de monter, elle met une caméra, monte ici, une fille monte ici, on dit qu'elle n'a qu'à faire, tu vas voir les belles dents blanches, une belle dentition. On te demande, il faut venir faire, tu ne peux pas faire. Donc nous, on n'a qu'à te dire quoi? Nous, on peut te dire quoi? Hein? Nous, on n'a qu'à venir te dire quoi? On ne peut rien te dire, on ne peut que te regarder. Parce que ce que nous sommes capables de faire, c'est dans les capacités de pouvoir le reproduire. Non, c'est inutile de causer avec toi. C'est inutile. Hein? Faut te revoir. Voilà, prends mon live, va t'asseoir, renchéris. Voilà, je te donne du boulot. Prends mon live, va t'asseoir et puis tu surenchéris. Voilà, va me répondre. Mais moi, je ne sors plus sur toi, c'est fini. Je suis venu te dire que libère ma vie. Tu n'es pas mon genre de femme. Voilà. Tu n'es pas mon genre de femme. Voilà. Je ne veux pas de toi. L'amour, là, ce n'est pas forcé. Voilà. Moi, je ne cherche pas les femmes qui n'ont pas dents, qui n'ont pas fesses, qui n'ont pas seins. Le jour où tu refais tes dents, tu refais tes fesses, tu refais tes seins, tu viens, il faut mettre les silicones. S'il n'y a pas de silicone, tu mets sachet. Il faut mettre sachet bleu. Tu mets sachet bleu dans tes seins. Et bien, tu mets coton. Coton, bien, tu mets pagne. Je ne sais pas comment tu as vendu. Il faut mettre quelque chose dans tes fesses. Ça a gonflé un peu. Voilà. Et puis tu reviens, on parle. Ou bien il y a les filles, elles vendent les pommades là. Tu vas, tu mets ça bien, tu vas avoir les bonnes rondeurs. Si tu n'as pas eu mari en France, change mon nom. Parce que nous les hommes là, c'est cuit lolo ou rien. Merci beaucoup Adebayo. Cuit lolo ou rien. Si tu n'as pas cuit, tu n'as pas lolo, faut prendre tes platinium, prends tes platinium de zodium, tu t'en vas avec. C'est pas nos problèmes. Voilà, nous c'est cuit lolo ou rien. Donc si tu es amoureuse de moi, voici mes critères. Si tu remplis les conditions, on en parle. Par l'intermédiaire de Yaka Yaka. Voilà, tu prends Yaka Yaka comme intermédiaire. Voilà, et puis il va venir, mon vieux père va venir me faire un courrier. Voilà, et puis il voit ton cas. Voilà, c'est tout. Donc, c'était un peu ça la famille. C'était un petit droit de réponse. Et pour vous dire, vous me demandez pardon, quand elle me manquait de respect là-bas, elle parlait de moi là, vous n'étiez pas là-bas, hein? Il n'y a pas quelqu'un qui allait lui dire, n'a qu'à laisser, hein? Elle vous disait, pourquoi vous lui demandez pardon même, il est qui, c'est pas ce qu'elle disait, il t'a montré qui je suis, et ça là, c'est entré en matière, oui, c'est entré en matière, il y a encore d'autres éléments. Pousse-moi à bout. Tu n'as pas croire. Il faut me pousser à bout. Tu vas voir comment ça va se passer entre toi et moi. Il ne faut pas me laisser. Hein. Tous ceux qui se sont attaqués à moi, là, tu as vu comment ils ont fini. Faut t'amuser à moi. Voilà. Maintenant, les yatins, ne pensez pas que je suis venu régler vos problèmes. Hein. Vous me réglez vos problèmes. Moi, je suis venu régler mes comptes. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous avez compris? Voilà. Réglez vos problèmes à la Yatin TV. N'allez pas rigoler, ricarner, n'allez pas vous mettre là-bas en train de vociférer. Vous allez republier mon live pour venir dire voilà, il a bien mal. Non, hein. Je suis venu régler mes propres comptes. Voilà. Créez vos buzz, nous aussi, on s'est fait dessus. C'est pas nous, on ne peut pas toujours créer les buzz et puis vous allez s'est fait dessus. C'est dit quoi? Hein? Une femme qui n'a aucune team, elle dit une team. Elle n'a pas de team. Elle a personne. Elle va dans tous les lèvres pour gratter les abonnés. Gratter les abonnés des panélistes là. Elle gratte. Elle va là-bas, elle met la haine ici. Les gens font semblant de l'aimer. Elle récupère ici. Elle va ici, elle gâte ici, elle arrange ici. Elle sort ici. Même Sylvia, même que toi, on dit que c'était une sorcière. Sylvia, on dit que c'était une sorcière. Elle est en train de changer. Toi, tu ne veux pas changer. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est ton papa, on appelle Lucifer ou bien? Même Sylvia a tenté de changer.
Sylvia, elle en téléchangé. Moi, avec Sylvia, avant, là, ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, la Sylvia, elle monte dans mes panels. Elle a compris que c'est le game. Elle a compris qu'après, elle arrivait à un certain moment, on doit passer à autre chose. Sylvia a changé. Toi, non. Toi, tu n'es pas changé. Tu veux rester là dans la bassesse. T'es fait humilier. Hein? T'es fait ridiculiser dans tous les lives en train de te promener comme Akpani. La preuve en est que tu ressembles à Akpani. Ça, on doit te le dire. Tu ressembles à Akpani. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Tu ressembles à Akpani. Vous avez vu les mâchoirons piqués là. Vous connaissez les poissons, on dit mâchoirons piqués là. C'est son modèle. Modèle de mâchoirons piqués là, c'est elle qui est là. Sylvia, on a insulté, on a clashé ici. Il y a comment on dit Sylvia, elle est là. Sylvia même prend des sujets, elle décortique des sujets avec intelligence. Tu parles, c'est vrai que sa voix là, souvent ça fatigue, mais on l'entend. On l'entend. Parce que Sylvia aussi, c'est pas que sa voix aussi là, c'est trop limpide. Donc voilà, sa voix aussi, c'est pas qu'on entend bien, mais on entend. Ce qu'on veut comprendre, on comprend. Mais toi, tout ce que tu dis là, on comprend rien. Tu as pensé que c'est grenouille qui est dans grenouille. Tu as pensé que c'est grenouille qui est dans l'eau qui est en train de faire coucou. On t'entend pas. Hein? Akpama Akpani, c'est son nouveau nom. Vous devez mettre son nom Akpama Akpani, c'est son nouveau nom. Voilà, c'est son nouveau nom. Quand vous la voyez, vous dites Akpama Akpani, c'est son nouveau nom. Sylvia, même on n'entend même pas sa voix là. Quand elle parle aujourd'hui, elle te prend les sujets. Toi-même, tu dis, ouais, aujourd'hui, là, la fille est réfléchie. C'est-à-dire que les gens sont en train d'oublier un peu son mauvais côté qu'elle avait envers cette blogueuse, cette influenceuse, notre influenceuse, comment on appelle ça, Emmanuela Keita. Aujourd'hui, Sylvia, là, elle est là, elle est bien. Sylvia, aujourd'hui, elle a une nouvelle ligne de conduite. Prends exemple, si Sylvia, prends exemple. Hein? Prends exemple. Regarde la conduite, comment elle se comporte. Sylvia ne va pas rentrer dans tout et n'importe quoi maintenant. Quand elle voit maintenant un sujet, soit elle vient défendre, soit elle ne se mêle pas. Elle est en bas, elle fait ses captures, elle avance dans la paix du Seigneur. Tu ne peux pas faire comme ça. Mais tellement tu veux le buzz, elle tes dents pourries, tu veux qu'on n'a qu'à parler de toi. On n'a qu'à parler de toi. Tu es dans tous les panels, elle est ton odeur. Odeur de bouche, odeur de cuir, odeur de sel. Hein? Oui, Sylvia n'a pas arrêté, elle a diminué. Oui, elle a diminué son volume. Elle a diminué, mais elle a compris. Sylvia a compris un peu. Sylvia, aujourd'hui, on peut beaucoup lui reprocher, mais elle a tenté de comprendre un peu, voilà, que voilà, c'est pas la haine. Elle veut arrêter ça. Elle veut laver son image. Hein? Tous les vraies blogueuses là aujourd'hui là, elles sont en train de se refaire une image. Mais vous, toi et puis ta camarade, coupez tête pour lancer au Pakistan. C'est-à-dire que coupez tête pour balancer en Chine. Vous êtes toujours dans la bêtise. Odeur de sel, odeur de pétou, odeur d'entrejambe. C'est-à-dire que odeur de dents, odeur de. C'est-à-dire que tout est mélangé sur toi et puis tu es dans live. Les gens t'écoutent. Les gens qui se sont lavés aussi, qui se sont brossés matin, parce que tu n'arrives pas à te brosser. Donc, il faut imaginer ta mauvaise haleine dans live. Imagine-toi, s'il y a... Imagine ceux même qui t'ont... Moi, je me demande ceux qui t'ont vu dans la vraie vie, comment ils font. Ou bien comment ils ont fait. Parce qu'ils sentent qu'ils ne veulent pas te dire la vérité. Mais moi, je sais que si tu étais vu, que tu as parlé, je sais qu'ils ont te dit la vérité. C'est le modèle de femme là. Quand on veut la Yurukula, on doit prendre coussin pour mettre son visage. C'est-à-dire que tu prends coussin, non? Elle n'a qu'à se retourner, elle est de dos. Voilà, elle est de dos. Et puis tu mets coussin sur son visage. Tu peux pas la regarder. Oh. Parce que odeur de gueule, odeur là. Odeur. Dakasa. Oh, merci beaucoup. African vibe. Voici des femmes capables. Tu es toujours là dans les lives là-bas en train de mettre ta mauvaise haleine, mentir aux gens. J'ai les dossiers, j'ai les papos. Si les gens veulent s'asseoir, si tes papos, on peut s'en sortir ici. Ah mon cette sorcière, merci beaucoup African Vague, merci beaucoup. Depuis hier, franchement, tu es en train de rancher dans les bas, ouais. Merci. Ah mon cette sorcière.
pas changer ta ligne éditoriale. Il faut chercher à venir changer nous notre ligne éditoriale. Hein? Et puis, imaginez, merci beaucoup, imaginez une femme, imaginez une femme, hein? C'est pas toutes les femmes, mais une femme comme elle, qui se lève matin, qui se brosse pas, qui a dents cassées. Elle a dents cassées, dents pourries. Ah, odeur de dents, odeur de bouche, hein? Odeur d'adjuvant. C'est-à-dire que même adjuvant ne peut rien faire devant toi. Il faut parler de moi encore. Quand il est revenu là, quand il est revenu là, tu n'as pas croix. Il faut parler de moi encore. Quand il est revenu là, tu n'as pas croix. Vous me connaissez, vous faites exprès. Si c'est le petit Woubi là, il peut parler de moi. C'est mon fils, il est amoureux de moi. Et en même temps qu'il parle de moi, il fait ma publicité. Parce que déjà bien avant, avant lui-même, je suis connu mieux que lui. Donc quand il fait ça, c'est pour avoir un peu de l'audience à travers mon nom. Donc voilà, il peut parler de moi. Mais il fait en même temps aussi, hein, il fait, c'est le renchérissement dans le beret, tout et tout. Il peut parler de moi, c'est mon fils. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos chéris coco. Bon retour aussi à vous, le nouveau venu, ainsi que les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Eh, hey, vous êtes méchants. C'est moi qui vous dis, vous êtes méchants. C'est Dieu qui vous voit. Car vous êtes trop méchants. Depuis l'année passée, vous êtes ici à nous guetter devant nos portes. Devant nos trous de la maison, devant nos fenêtres, c'est Dieu qui vous voit. Alors, si vous êtes nouveau ici, ne soyez pas comme les guetteurs. Faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Tous ensemble, aimons la page. Partageons et commentons nos vidéos très gentiment. Car j'ai dit, oh, c'est pas ma chaîne à moi. Vous êtes dedans. Hein? Vous êtes dedans, oh. Voilà. Votre travail là, c'est d'aimer, partager, commenter si vous êtes déjà abonné chez Elios 13. Voilà. Si vous avez compris la vidéo, si je ne vous donne pas tout, hein, allez regarder la vidéo là que je vous avais recommandé de regarder et puis revenez ici. Et puis, il y a un bim sur notre vidéo qui va suivre. Car Sylvia nous a mis assises par terre. J'étais là. Donc, je vous ai dit quoi dans la vidéo là que je vous ai dit de suivre la vidéo là. Hein? Allez regarder comme ça, vous allez comprendre cette vidéo ici. J'ai dit quoi là-bas? Cette histoire, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Là où il y a la tête, on ne sait pas. Là où il y a la queue, on ne sait pas. Tout était mélangé. Tout est mélangé et tout le monde est mélangé dedans. C'est pour cela que je vous ai invité d'aller regarder la vidéo là. Car notre vidéo aussi prochaine, Sylvia la Lionne. Sylvia la Lionne. Donc, elle a amené des audios de preuve de cette histoire. Si vous n'avez pas compris cette histoire ici, vous allez comprendre à partir du live de Sylvia. Je vous dis, oh, hein, c'est notre vidéo qui va suivre. Alors, si vous ne voulez pas rater, c'est le moment de vous faire abonner. Oh. Sinon, là, le bim qui arrive. Oh. Mais vous connaissez Sylvia, non? Hein? L'Interpol. Sylvia, l'Interpol. Sylvia, c'est celle qui fait les enquêtes et amène la vérité. Comme au temps aussi de Safarel, elle a aussi été parmi des personnes qui ont fait des enquêtes. Aya Robert aussi était parmi des personnes. Mais Sylvia, là, elle a amené. Ça veut dire que, elle s'est contredit elle-même dans cette histoire. Dans des audios différentes. Eh, j'étais assise par terre. Oh. Si vous voulez vous asseoir par terre, comme nous, alors faites-vous abonner. Si vous êtes abonné, cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, votre téléphone, votre tablette, votre télévision, votre quoi encore, votre ordinateur, votre quoi encore, vous nous suivez à partir de quoi encore? Eh, il faut me dire, hein? Et donc, l'outil que vous utilisez pour nous suivre, là, ça va vous notifier de notre prochaine vidéo si vous cliquez sur la cloche de notification. Alors, vous n'aurez plus à venir ici sur YouTube, vous perdrez, commencez à nous chercher. Non, on ne veut pas ça. Alors aussi, vous n'allez pas couper vos travaux, préparer, vous êtes peut-être au travail, vous êtes en train d'allaiter les bébés, ou bien de préparer, ou bien de faire quoi que ce soit, conduire. Voyez, vous allez seulement cliquer
sur la note de notification, ça va vous amener justement sur notre nouvelle vidéo. C'est pour cela qu'on dit toujours de cliquer sur la cloche des notifications. Alors, êtes-vous prêt pour la vidéo de Sylvia? Si oui, on se retrouve tous ensemble à la prochaine épisode. Que vos remerciements, on vous remercie, vous tous qui ont été ici à nous suivre à ce moment jusqu'à présent ici. Merci énormément. Que Dieu vous bénisse. Alors, que vos gros bisous. Les gros bisous à nos abonnés. Ne confondez pas, hein. Les gros bisous, c'est pour nos abonnés. Ceux qui sont déjà abonnés ici, ceux qui ont cliqué sur la cloche notification. Voilà. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.